Bonjour à toutes et tous, vous qui nous suivez. Bienvenue pour ce match entre l'Angleterre et la Suisse. Un match qui n'a plus d'intérêt au niveau du classement, puisque la Suisse sera forcément troisième et l'Angleterre forcément première, quel que soit le résultat de ce match. Mais pour les deux équipes, il faut se faire plaisir et prendre beaucoup de souvenirs, d'expériences pour les prochains matchs. Et voilà le match qui est parti. Avec un premier shoot des Suisses. Les Anglais qui ont gagné l'engagement. Les Suisses qui viennent essayer de mettre de la pression directement. C'est clair que l'Angleterre qui est chez elle veut gagner ce match pour arriver en finale avec zéro défaite. Et la Suisse a l'intention de gagner ce match aussi, pour mettre un peu de baume au cœur pour leur non-qualification pour la finale. D'accord, pour l'instant, les Suisses qui empêchent bien les Anglais de sortir de leur zone. Une possibilité de shoot, un shoot, le gardien qui a dévié. Will Yeldon qui est dans les buts anglais. La passe était un peu trop douce. Et là, c'est les Anglais qui peuvent se déployer avec un shoot en direction du portier suisse, qui a mis cette balle sur le côté. Eric Ruffer pour la Suisse. Très belle action avec un beau shoot. Et avec Eric qui est attentif et qui a pu dévier cette balle. Belle interception de la part des Suisses. Beau bloc de la bande, mais il n'a pas réussi à rester debout et récupérer cette balle. L'Anglais qui n'a pas trop apprécié le geste et qui a dit ses quatre vérités aux Suisses. Ouh, celle-là, fallait aller la chercher. Changement de personnel, engagement du côté suisse.
On voit sur le banc des Anglais, nous qui sommes juste en dessus, des joueurs très détendus, qui rigolent, qui passent un bon moment. Même s'ils prennent absolument pas la Suisse de haut, parce que les deux matchs étaient quand même assez serrés, assez compliqués. Ils savent que même si par hasard ils devaient perdre, ça ne changerait rien au classement. Il y a deux joueurs pénalisés. Le 4 du côté suisse, Jérémy Chèvre, et le 45 du côté anglais, Sam Davies. Ils sont un peu cherchés devant le gardien. Les deux équipes qui vont évoluer à 2 contre 2, à 3 contre 3, pardon. Pendant 2 minutes. Alors qu'il y a déjà 4 minutes de jouer. Donc le score est toujours de 0 à 0. Joli mouvement du côté de la Suisse. Le shoot était un peu faible. Et là, c'est l'Angleterre qui repart. Mauvais contrôle de la balle, ce qui permet à la Suisse de récupérer, de repartir. Mais il est un peu seul parce que tous ses coéquipiers sont allés changer. Voilà, il revient en arrière, histoire de lui aussi pouvoir changer. Belle passe, tentative de lucarne de Wolf, malheureusement un petit peu trop haut et un petit peu trop à droite. Mais ça aurait pu faire un joli but. Les deux équipes qui sont au complet. Là, les Suisses ont une possibilité de contre à 3 contre 2. Ah ben ça va. Les deux joueurs qui ont glissé, ça aurait pu mal finir. J'entends des supporters suisses qui ont fait le déplacement. Donner de la voix. Un bon shoot direct en se retournant. Bien capté. Toujours 0-0. À peine moins de 7 minutes de jouer. La Suisse qui repart. Elle essaye d'en faire un peu trop. Il a un beau contre pour l'Angleterre.
Belle récupération de la part de la Suisse. Shoot dévié par le patin d'un défenseur anglais. Les Anglais qui récupèrent cette balle, qui vont pouvoir calmer le jeu, essayer de faire une sortie de zone. Garde cette balle derrière, histoire que tout le monde puisse changer. Mais il a un peu mal gardé, ce qui fait que la Suisse a pu récupérer. La Suisse dans l'arrondi. Ils sont à deux sur le capitaine de l'équipe anglaise, qui a pu s'en sortir avec la balle. Beau papillon du gardien suisse. Et l'arbitre qui a touché la balle, ce qui va donner un engagement. On essaye un peu de couper le son pendant les temps morts, afin d'éviter d'avoir des soucis avec YouTube. C'est pour ça que des fois vous avez l'impression que le micro est coupé. La Suisse qui repart. Le joueur suisse qui a passé avec deux joueurs devant le but. Mais c'est le gardien qui peut repousser cette balle. Neuf minutes de passé dans cette première période. Qui essaie de faire une sortie de zone. La cage qui a été déplacée. L'arbitre qui vient la remettre en place histoire de ne pas faire d'arrêt de jeu. Un shoot dévié par la canne du gardien. Et l'arbitre qui siffle. Les deux arbitres qui se concertent. L'arbitre qui vient s'excuser. Il a fait une erreur, il a sifflé alors qu'il n'aurait pas dû. Qui repartent, mais c'est les Anglais qui récupèrent, qui tentent de repartir. La Suisse récupère mais perd la balle, et là ils sont à 2 contre 1 avec le capitaine, et le shoot cadavier qui finit en dehors des zones du terrain. On entend bien les supporters suisses qui donnent la voix pour soutenir leur équipe.
Belle sortie de zone de la Suisse. Mais il n'a pas pu contrôler devant le but. Onze minutes de jouer, toujours 0 à 0 dans ce match. Les Anglais qui changent. Capitaine qui a perdu la balle, mais il avait un coéquipier en couverture. La Suisse qui peut récupérer. Mais le joueur suisse qui a un peu été accroché et c'est le gardien qui bloque. Il y aura 2 minutes pour le capitaine anglais, Milik Martelly, pour accrocher. Donc effectivement, la faute que j'avais vue sur le retenir devant le but a bien été aussi vue par les arbitres. Même si le capitaine n'était pas forcément d'accord avec la décision des arbitres, ça arrive quand même assez souvent que les joueurs disent « je n'ai rien fait ». Aux Suisses maintenant de poser leur power play. Jolie passe, c'était magnifique. Et premier but pour la Suisse. La Suisse qui mène 1 à 0. Alors qu'il reste 3 minutes 32 dans ce match. Dans ce tiers, pardon. Maintenant, il va falloir que les Suisses n'arrêtent pas de jouer. On se souvient du dernier match où ils menaient aussi 1-0. Pour se faire remonter, reprendre l'avantage 2-1. Se faire égaliser pour finir perdre. Là, il faut que la Suisse continue à jouer comme elle joue. Continue à être entreprenante. Et puisse encore marquer 1, 2, 3, 4, 5 buts. Pour réussir à battre cette Angleterre. Le but qui a été marqué par Evan Kenzik. Surpasse de Jérémy Chèvre. Il y aura 2 minutes pour un joueur anglais de nouveau. Chris Edwards pour retenir. Voilà qui va peut-être permettre à la Suisse d'augmenter son avantage au tableau des scores. Une occasion à 4 contre 3. Premier chute de la Suisse qui n'était pas gradré, enfin qui a été dévié. La Suisse qui essaie de faire bouger cette défense.
Ouh, très mauvaise passe qui permet à l'Angleterre d'essayer de repartir. Heureusement, il s'est rattrapé. Et là, ils vont partir à 2 contre 0, 1 contre 0. Il couche le gardien. Mais la Suisse arrive à s'en sortir. Mais c'est pas fini, l'Angleterre encore. Faut que la Suisse arrive à prendre possession de cette balle, calmer le jeu. Voilà qui est fait. Changement de personnel pour la Suisse. Encore un petit peu moins d'une minute de pénalité. Passe dangereuse devant le but. Hein, si elle a intercepté, ça peut faire très mal. L'arbitre qui arrête parce qu'apparemment la gardienne a un souci avec son casque. La Suisse qui repart, qui va reposer son power play. Un shoot, shoot qui est contré. Il faut que la Suisse recommence. Superbe, ça c'est magnifique. Un but de Chevrin. De Jérémy Chèvre qui a reçu une superbe passe et qui permet à la Suisse de mener 2 à 0. Ouh, beau shoot mais qui a bien été capté par la gardienne. Alors qu'il reste 41 secondes de ce tiers. La Suisse qui joue bien. Peut-être avec un petit peu moins de pression, ce qui lui permet d'avoir un jeu plus simple. Le gardien anglais qui va récupérer sa canne parce qu'il avait perdu sa canne, 20 secondes. Les Anglais qui shootent pour essayer d'amener le danger rapidement devant le but. Les Suisses qui essayent de garder cette balle, une seconde. Et c'est fini. Et il y aura 2 minutes. 2 minutes contre le joueur numéro 19 suisse. Pour frapper Arnaud Weiss. Donc la Suisse qui commencera en infériorité. On vous dit à tout de suite. We'll be right back.
Voilà, fin de la pause. On revient avec la Suisse qui s'est pris 2 minutes de pénalité à la fin du tiers. Voilà, qui va donner une occasion aux Anglais d'essayer de revenir. Les deux arbitres qui regardent ce qui se passe devant le but parce que ça pousse. Et les Suisses qui arrivent à récupérer cette balle, qui monte à 2. Mais la balle est interceptée, il va falloir faire un back-check rapide. Voilà, les Anglais qui ont posé leur powerplay. Un shoot, mais sur le filet extérieur. Et la Suisse qui arrive à se dégager. 50 secondes encore de supériorité numérique pour les Anglais. Un shoot, mais ce shoot n'est pas cadré. Encore un shoot, renvoyé par la défense. Ça revient derrière. Et cette fois, c'est le gardien qui peut bloquer le shoot. Les Suisses qui tiennent le choc pour l'instant. Les Suisses qui vont pouvoir se dégager. Bon dégagement de la part des Suisses. Encore 20 secondes. Les Anglais qui essayent de faire bouger le gardien et la défense. Un shoot, il y aura cross-out pour la Suisse. Donc coup franc contre la Suisse, alors qu'il reste 7 secondes. Shoot non cadré des Anglais. Et les Suisses qui sont au complet. Pénalité passée sans encombre. Un shoot anglais complètement mal cadré. Et les Suisses qui mettent un shoot aussi hors cadre, mais pas très loin. Encore un shoot des Anglais, bien capté par le gardien. Et les Suisses qui vont essayer de repartir, mais c'est intercepté par les Anglais. Le joueur anglais qui s'est un peu fait prendre un sandwich. Oula, il part à 2 contre 0. Et but en pleine lucarne du joueur anglais, qui avait réussi à récupérer cette balle, à intercepter cette balle. Et Jay Anderson qui arrive à réduire l'écart et permettre à l'Angleterre d'avoir plus qu'un seul but de retard. Aux Suisses de remettre le métier sur l'ouvrage. L'ouvrage sur le métier plutôt, sauf erreur.
Ou un shoot qui n'a pas passé loin des poteaux. Cache déplacé. Encore un shoot. Le gardien suisse qui n'a plus sa canne. Le joueur anglais qui se fait pousser par le joueur suisse. Mais c'est les Suisses qui peuvent repartir. Un shoot. Un rebond du gardien. Et un shoot bien capté par le gardien suisse. Les joueurs suisses et anglais qui se provoquent. Suisse qui a gagné l'engagement, qui organise sa ressortie de zone. Fallait pas la louper celle-là, parce que ça aurait permis aux Anglais de repartir. Le joueur suisse qui a essayé de partir, mais qui s'est fait prendre par le joueur anglais. Chute du capitaine anglais, bien repoussé par le gardien. Il y a eu problème de marquage là. Les Anglais qui arrivent toujours à trouver un coéquipier démarqué. La Suisse qui a pu pousser cette balle en avant. Ça, non, toujours la Suisse, hein, un shoot non cadré. La balle a passé, mais pas le joueur. Bonne récupération du joueur suisse. Et c'est but pour la Suisse. Ryan Kotla qui vient mettre le troisième but pour la Suisse. Avec les supporters qui sont en ambiance. La Suisse qui reprend deux longueurs d'avance. Et 5 minutes de passer dans cette deuxième période. Une balle qui faisait du billard entre les joueurs anglais et suisses, qui est arrivée sur le gardien suisse qui était attentif. C'est les Suisses qui jouent bien et quatrième but pour la Suisse. C'est magnifique, Luca Foglia qui a marqué, surpasse, ça joue pas tellement au niveau des numéros, mais c'est pas grave, ça fait un quatrième but pour la Suisse. Voilà, qui va donner quelques regrets quand même à l'équipe de Suisse. Même si je pense que les Anglais jouent pas forcément à fond. La Suisse sera peut-être la seule équipe à battre les Angleterres sur ce tournoi. Même si les Allemands... ne vont pas les laisser faire pour la finale.
L'engagement qui sera à refaire. C'est les Suisses qui ont fait un mauvais engagement. Le joueur suisse qui trouvait que l'arbitre mettait la balle un peu trop du côté anglais. Oh, c'était joli. Ça aurait mérité presque un cinquième but. Et cette fois, il est là, le cinquième but. Cinquième but marqué par Jérémy Chèvre, qui permet à la Suisse de mener 5 à 1. Les temps morts demandés par l'Angleterre. Et les supporters suisses qui sont là pour soutenir leur équipe. Pas mal de supporters suisses qui ont fait le déplacement. Et aussi énormément qui nous suivent en live. On a du live qui a suivi dans les pays qui participent, voire même des pays autres. On vous remercie beaucoup, ça nous fait très plaisir. J'espère que vous appréciez autant que nous on apprécie de le faire. Et c'est l'Angleterre qui repart une passe, mais son coéquipier a un peu de retard. Et il y aura deux minutes pour obstruction pour la Suisse contre Arnaud Weiss. Bien sûr que le public suisse n'est pas d'accord. Il y a des Anglais qui commencent à s'énerver un peu sur le banc aussi. Ils pensaient peut-être pas avoir un match comme ça contre la Suisse. Même si l'effet sur le classement n'aura aucun impact. C'est toujours psychologiquement mauvais de perdre un match, surtout avant une finale. Très gros shoot de l'Angleterre, mais qui a bien été capté par le gardien. En tout cas, des Suisses qui font très plaisir à voir, qui se révoltent, qui montrent de la volonté, qui n'hésitent pas à aller dans les bandes. Des choses qui leur ont peut-être un petit peu manqué pendant le tour préliminaire. Enfin, on va pas refaire tous les matchs de toute façon. Oh là là. Là c'est un geste qui n'est pas très sportif. Mais les arbitres ne disent rien.
Et là, ça commence à chauffer. Les Anglais n'ont pas eu l'habitude de perdre pendant ce match. Oh, un shoot qui paraissait anodin et qui a failli surprendre le gardien. Ça aurait pu faire un but. Un but qui a roulé sur le gardien. Les Suisses qui demandent l'annulation du but. Parce que le joueur aurait été poussé contre le gardien. Mais le but anglais, je pense, est validé. À 2 pour la Suisse, alors qu'il reste 5:45 à jouer. Attention, le match n'est pas fini. Il ne faut pas que les Suisses se relâchent et commencent à laisser un peu trop d'espace aux Anglais. Parce qu'ils sont friands de ça et pourraient revenir. C'est là que la Suisse a besoin de ses supporters. Et le capitaine anglais qui marque le troisième but tout seul après s'être débarrassé du défenseur suisse. 5-3. Attention l'équipe de Suisse, il reste encore 3 minutes. Le match n'est pas fini. Joueur anglais qui essayait de mettre sa canne de l'autre côté du cercle. Et là, c'est la Suisse, un shoot. Oh là là, ça a failli être goal. Mais le gardien anglais qui s'est bien rattrapé. On voyait le joueur suisse qui était prêt à armer son tir. Et le gardien anglais qui ne s'est pas laissé avoir, qui a relâché la balle mais qui a pu la récupérer avant qu'elle rentre dans le but. Le coach suisse qui arrange ses joueurs pour qu'ils continuent à jouer vite et fort. 4 minutes 45 encore de jeu. Il ne faudrait pas que l'Angleterre vienne marquer un but. Ça deviendrait compliqué de retenir l'équipe. Joueur anglais qui n'a pas aimé être un peu croché et qui va avec la canne sur tous les joueurs qui croisent. Oui,
4 minutes de jeu encore. Et toujours 5 à 3 pour la Suisse. C'est un beau shoot. Il y aura 2 minutes contre la Suisse. Pour Luca Foglia. Pour charge dans le dos. Les supporters qui soutiennent leur équipe. C'est un moment difficile à passer. Et sur les 3 minutes 45 qui restent, ils vont jouer 2 minutes en infériorité. Il va falloir tenir, pas permettre à l'Angleterre. Et ce but, but du numéro 33 anglais, le capitaine Martelly Milik sur passe du numéro 22, Jay Anderson. Et l'arbitre qui met 2 minutes à Jérémy Chèvre pour 2 minutes disciplinaires. Voilà qui va permettre à l'Angleterre de revenir et d'égaliser. Je laisserai juge de savoir si la pénalité était justifiée ou pas. Et là, le joueur suisse qui garde cette balle au milieu de 3 Anglais, 4 Anglais. Mais cette fois, il l'a perdu. Mais la Suisse qui peut récupérer, la Suisse qui continue. Mais cette fois, c'est l'Angleterre qui va essayer de repartir. Il faut que les Suisses reviennent tout de suite. Le gardien qui a bien fait une superbe parade. Encore 2 minutes 15 de jeu. Et la Suisse qui a pu se dégager. Une fin de match tendue. Voilà, l'Angleterre, on reste dans les 2 dernières minutes de jeu. Vous avez entendu la petite cloche. Petite cloche que vous, sur laquelle vous pouvez cliquer sur YouTube pour être averti de tous nos matchs. Et il y aura coup franc. Les arbitres qui se concertent pour savoir si la balle est sortie directement ou pas. Et 2 minutes au numéro 91 suisse. Et temps mort demandé par la Suisse. Alors je ne sais pas si c'est 2 minutes ou une autre pénalité. C'est 2 minutes pour retarder le jeu en fait. Je pensais pour réclamation, non, mais c'est pour retarder le jeu puisque c'est dans les 2 dernières minutes. Et donc la balle qui est sortie directement, il y aura coup franc contre la Suisse et 2 minutes
pour la Suisse, pour Yvon Sauvin, pour retarder le jeu. Il reste 1 minute 41 où la Suisse va quasiment jouer à 4 contre 2. Ça risque d'être compliqué. Maintenant, comme il y a pénalité, c'est engagement et pas coup franc. Excusez-moi. Donc voilà, la Suisse à 4 contre 2. Encore 1 minute 30. Ça va être chaud. Un shoot. Et la Suisse qui est à 3. Pour les 1 minute 12 restantes à 4 contre 3. Il faut espérer pour la Suisse qu'il finisse à 4 contre 3. Et but pour la Suisse! But pour le numéro 68, Titouan Girardin, qui permet à la Suisse de mener 6 à 4. Alors que viennent faire les arbitres? Ils cherchent encore une pénalité. Non, apparemment pas. La Suisse qui reprend deux longueurs d'avance à 1 minute 02 de la fin de ce match. Les Anglais qui réclament quelque chose. Je pense que j'estime que les arbitres n'ont pas assez sifflé pour eux. Et les supporters suisses qui sont toujours derrière leur équipe. Encore 1 minute 02 de supériorité, de fin de match et de supériorité pour l'Angleterre. L'Angleterre qui va peut-être avoir sa première défaite du tournoi. Et les Suisses qui arrivent à se dégager. Encore 36 secondes. Les Anglais qui sortent le gardien pour faire un 5 contre 3, pardon. Un shoot du capitaine, shoot dévié par la défense et la balle qui sort. Une seconde encore et toujours 2 buts d'avance pour la Suisse. Engagement gagné par la Suisse mais récupéré par les Anglais. Le gardien qui dégage. 16 secondes. Les Anglais qui ont installé leur jeu de puissance. Un shoot. Shoot dévié. 8 secondes. Et la Suisse qui peut partir. Un shoot mais le shoot n'est pas cadré. Et il y aura 2 minutes de pénalité contre un joueur anglais pour faire trébucher Rhys Edwards qui va se reprendre 2 minutes de pénalité alors qu'il reste 1 seconde 88 avec engagement dans le camp de défense dans l'Angleterre qui est obligé de remettre son gardien. Les deux équipes qui vont finir le match à 3 contre 3. Et la Suisse qui va infliger la première défaite à l'Angleterre. Et voilà, c'est fait. Fin du match et victoire de la Suisse. 6 à 4. La Suisse qui est contente, qui a aussi certains regrets sur certains matchs. Mais il faut surtout qu'il garde le positif de ce match. C'est important, ils sont pour l'instant les seuls à avoir réussi à battre l'Angleterre. Et bravo à eux.
heure de pause. Ouais, mais c'est 14h30 le prochain match. Hein? Si, si. Donc, suis un peu l'équipe, on est en direct. Prochain match qui sera le match de classement prévu entre la Suisse et l'Autriche à 14h30. Les Suisses qui vont aller saluer leurs supporters. Des supporters bien présents qui les ont bien aidés et qui méritent un salut de la part de la Suisse. Bravo à l'équipe suisse. Voilà, communion entre l'équipe suisse et les supporters. Ça fait plaisir à voir. On vous retrouve donc tout à l'heure pour le match de la 3e, 4e place. Merci à vous, à tout à l'heure.